Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va faire un petit récapitulatif de cette année 2020-2021 les amis. Donc ça y est, nous sommes en 2021 depuis le 1er janvier, vous le savez. Je pense que comme chacun de vous, on a vécu une année assez compliquée, honnêtement, que ça soit financière ou au travail, que ça soit à la maison, que ça soit quelque part. Enfin, on a tous vécu une année assez assez compliquée, assez négatif, on va dire, à cause de l'arrivée du Covid, le virus qui s'est accumulé, les nombreux confinements qu'on a subis, les déconfinements qu'on a subis, les couvre-feux qui se sont rajoutés. Alors, on a vécu une année assez assez, j'ai envie de dire, vraiment compliquée. C'est le mot. Mais c'est pas pour autant qu'on va abandonner ce qu'on a fait. C'est pas pour autant qu'on va arrêter nos objectifs, qu'on va arrêter nos ambitions, qu'on va tout stopper pour le virus. Notre but en 2021, nous concernant, du coup, on va continuer la chaîne YouTube à fond. On va vraiment l'amener au top. C'est vraiment vraiment mon objectif pour cette année 2021. Et donc du coup, pour ceux qui se demandent, il y a des choses qui se sont arrêtées. Oui, je suis tout à fait d'accord. Par exemple, les let's play sur, enfin les let's play, les vidéos sur WWE 2K20 qui se sont arrêtées. Évidemment, parce que ben, je voyais qu'il n'y avait pas trop de vues. Et puis c'est limite si ça ne marchait pas. Du coup, j'ai fait une pause avec. Je me suis concentré sur un autre projet qui est justement les interviews exclusives qu'on va reprendre en 2021 avec l'équipe du WWE Report qui sera au complet. On sera donc 3 ou 4. Ça dépend si notre collègue Mr. Swally sera probablement de retour. Je verrai avec lui en off, mais je pense que ça devrait le faire. Notre but en 2021, ça va être quoi? Notre but en 2021, ça va être de faire des nouvelles vidéo, ça va être de faire des nouveautés, ça va être de partager avec vous tous les contenus. Donc le WWE Report, interview exclusive, donc continuer à interviewer des superstars, que ça soit françaises comme on a pu en interviewer, qu'on salue évidemment Louis Napoléon, qu'on salue Shanna, qu'on salue Tom Larufa, qu'on salue, voilà, toutes les superstars françaises qu'on a pu interviewer, il y en a encore qui arrivent. Et puis toutes les superstars internationales qu'on a pu interviewer, et ben on va continuer vraiment à le faire avec vous, à vos côtés. Moi franchement, la superstar, si on peut parler d'ambition, la superstar française que j'aimerais bien interviewer cette année, je dirais Archer, Tristan Archer. Senza Folto, j'aime bien également son style, son catch, sa façon de catcher, elle est super. Si on parle au féminin, je dirais en France, bah, à peu près toutes les catcheuses françaises, hein. Pareil, tous les catcheurs français, mais j'ai pas vraiment de nom en tête comme ça, mais honnêtement, je serais ouvert pour vraiment ouvrir la chance à toutes les catcheuses, toutes les catcheurs qui voudraient passer dans l'émission, écrire l'histoire avec nous. Honnêtement, que ce soit des équipes, que ce soit des hommes en solo, des femmes en solo, des équipes féminines ou des légendes, vraiment, on est vraiment ouvert. Parce que ça nous permet d'apprendre leur carrière, mais ça permet d'apprendre nous aussi de leur vécu. Et honnêtement, si ça peut nous permettre de partager ensemble, c'est le but. Voilà donc ça. Ensuite, concernant le let's play sur Pokémon version noire 2 Hardcore Challenge, ça va continuer. Prochain épisode très prochainement, que je tournerai juste après cette vidéo. Parce que ça me fait plaisir de le faire et je suis très content d'avoir entamé ce let's play. Ça faisait longtemps que je voulais le faire et je suis très content de pouvoir le faire enfin.
Et puis voilà, on va continuer à entamer des nouvelles choses. J'aimerais bien également acheter la Nintendo Switch pour pouvoir faire des vidéos avec des youtubeurs, pourquoi pas. Et puis voilà. J'aimerais bien vraiment vous proposer des contenus vraiment intéressants pour vous. Et donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. Likez, c'est très important. Commentez, donnez votre avis, donnez votre ressenti sur les vidéos. C'est vraiment important. Les musiques, pareil, ça va continuer. Il y a des nouvelles chansons qui vont arriver. Un album qui va arriver. Un album en 2021. On va tout faire pour le sortir. Et je vous ferai écouter toutes les chansons en direct. Enfin, en direct ou en enregistré avec l'équipe. Ça serait bien qu'on le fasse en studio avec tout le monde, ça serait super. Et vraiment, le but, c'est vraiment. Le but, ça va vraiment être de vous divertir au maximum cette année. Et donc, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Vraiment. Donc, si vous voulez des nouvelles vidéos, des nouveaux concepts, marquez-les dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous, c'est important. Activez la cloche parce que c'est le seul moyen que vous avez pour recevoir toutes les prochaines notifications à ma chaîne YouTube. Puis partagez à votre famille et à vos amis en sécurité pour éviter les fraudes et ce genre de choses. Vraiment, on va faire les choses correctement, les amis, pour cette année 2021. Perdez pas vos rêves. Perdez pas vos ambitions, croyez en vous et allez jusqu'au bout de vos rêves et de vos ambitions. Cette année et la suite évidemment. Donc croyez-y à fond et je vous garantis que vous allez y arriver au final. Merci à vous les amis, ça fait vraiment plaisir de vous faire cette vidéo. Donc voilà, vous inquiétez pas. Donc au programme des nouveaux let's play, des nouvelles vidéos, des nouveaux concepts qui vont arriver. Le vlog de catch qui va arriver à nouveau avec vous allez pouvoir nous voir me voir et voir mon collègue Kevin que vous voyez également dans le WWE Report catché sur le ring. Vous allez vraiment on va essayer de filmer les meilleurs moments et d'en faire vraiment des petits passages, vraiment quelque chose de vraiment bien monté. De manière à ce que vous, derrière la caméra, vous soyez intéressé, que vous soyez intéressé de le voir. On fera ça sur des vidéos, je pense, une vidéo à peu près de 30-45 minutes, je pense, histoire que vous ayez quelque chose de complet. S'il y a trop de choses, on fera en deux parties, ce sera pas de problème. En fait, plus il y a beaucoup de choses, plus c'est cool, parce que ça vous permet d'avoir des contenus. Le but, c'est de pouvoir faire avec plusieurs catcheurs différents, qu'ils soient internationaux ou français, pour pouvoir apprendre de leur vécu. Ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de surprises qu'on vous prépare avec l'équipe. Je vous souhaite une très bonne année encore une fois, très très bonne santé, parce que c'est vraiment le principal que je vous souhaite, la santé, puisqu'en ce moment on en a besoin. Bisous à tous, et on se retrouve très prochainement. This is how I like to feel.